Mes chers amis, mes chers camarades, bonjour. Je suis choqué. Je crois que vous aussi, vous êtes choqués. Vous êtes sous les chocs après l'incident raciste survenu lors du PSG Basaksehir ce mardi 8 décembre 2020. En Ligue des Champions, le racisme existe en Ligue des Champions. Mais comment ça s'est arrivé? L'international sénégalais Demba, eh bien, c'est lui qui a relaté les paroles du quatrième arbitre. Eh bien, quand vous parlez d'un homme noir, pourquoi vous dites ce noir? Quand l'arbitre délégué Sébastien Coltescu, je m'excuse pour la prononciation, eh bien, cet arbitre, il a été entendu désignant l'entraîneur adjoint Pierre-Achille Aurébeau comme le noir. On dit en roumain négou, négou, nègre. Eh bien, ça a déclenché la colère des joueurs et de l'encadrement du club turc, puis du PSG, qui, des concerts, ont quitté la pelouse. Mes chers amis, c'est du jamais vu, au plus haut niveau dans un monde du football, souvent taxé de laxisme ou d'indifférence envers notamment le racisme. Eh bien, cet arbitre blanc, cet arbitre roumain, il dira jamais ce blanc. Quand il parle, ben, il va dire celui-là. Alors, quand il parle d'un homme noir, et pourquoi il est obligé de dire ce noir? Mais c'est ce qu'a dit, c'est ce que a reporté Dembaba. Dembaba, c'est un ancien joueur de Chelsea, et par la suite, Kylian Mbappé, il va dire qu'il ne reprendra pas le jeu si le quatrième arbitre restait sur le terrain. Eh bien, cet incident a duré plus d'une dizaine de minutes. Tendu, très très tendu. Et c'est vraiment grave ce qui est arrivé hier soir. Un arbitre, un juge qui est là pour rendre la justice, eh bien, il a sorti ses propos racistes. Vraiment grave. C'est vraiment grave ce qui est arrivé hier soir. Eh bien, nous disons stop. Ça suffit. Ça suffit de considérer quand vous nous appelez, vous mettez noir. Pourquoi vous n'êtes pas celui-là? Mais quand vous appelez un blanc, vous ne dites jamais ce blanc, mais vous dites celui-là. Alors, mes chers amis, respectons les uns les autres. Bon mercredi, je suis vraiment choqué. Je suis en colère. Très, très en colère. Bonne journée, en dépit de tout. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias, plata o plomo.